Un mois de grève à partir du 22 mars, c'est la menace qu'agite l'intersyndicale des cheminots pour riposter à la réforme de la SNCF par ordonnance, mais pas question de dire que les usagers seront pris en otage. Si les syndicats menacent de nous prendre en otage dans des conditions scandaleuses, c'est uniquement pour défendre leur statut et pas pour défendre le service public. On ne prenait jamais le mot de preneur d'otage. Moi, j'ai été pris en otage pendant une heure et demie, je peux vous garantir, ça n'a rien à voir à être bondé dans une voiture de voyageurs quand il y a une grève. Il y a des mots pour employer, surtout à votre âge. Je pense qu'aujourd'hui, vous devrez faire attention aux mots que vous employez. Et beaucoup de gens emploient ce mot-là, ce n'est pas un mot si facile à entendre. Quand vous dites que vous avez été pris en otage, vous faites allusion. Moi, j'étais au Bataclan. Donc, moi, aujourd'hui, les discussions de preneur d'otage et de théorie, je sais ce que c'est. Alors, autour de cette table où on parle du statut de cheminot, je trouve que c'est un petit peu déplacé. Bruno Poncet est ce soir sur le plateau de C'est à vous. Bonsoir Bruno Poncet. Bonsoir. Soyez le bienvenu. Bon, merci. François de Closé n'emploiera plus certains mots dorénavant. Je pense que tout le monde pouvait le faire, ça serait bien. Eh bien, en tout cas, on le fera ce soir. Merci. Alors, la première question qu'on va se poser, c'est: faut-il réformer la SNCF et pourquoi? Je vous propose d'écouter le Premier ministre qui expliquait ceci lundi. La situation est alarmante, pour ne pas dire intenable. Les Français, qu'ils prennent ou non le train, payent de plus en plus cher pour un service qui marche de moins en moins bien. Notre réseau est aujourd'hui dans un état de vétusté avancé. Je n'oublie pas non plus les incidents récents à Montparnasse ou à Saint-Lazare, qui montre à quel point les dysfonctionnements peuvent toucher des milliers de voyageurs. Ça n'est pas normal. La mission d'un service public, c'est de simplifier la vie des usagers, de l'accompagner avec efficacité. On en a peu parlé, mais le constat du Premier ministre était accablant lundi matin. Vous le partagez ? Oui, en plus, on sort comme l'année 2007 qui a été très violente pour la SNCF, des incidents importants. Un accident grave où des enfants sont décédés. Donc, effectivement, l'image SNCF aujourd'hui... Et puis, un service qui, globalement, dit-il, coûte de plus en plus cher et rend de moins en moins bien le service. Donc, il faut faire quelque chose, quand même. Oui, nous, on n'était pas contre l'idée de... Bah, nous, déjà, on proposait des assises du ferroviaire. On aurait mis tous les problèmes sur la table. C'est-à-dire qu'on aurait parlé de cette dette qui est extraordinairement... 46 milliards. C'est incommensurable. Hein. On aurait parlé aussi, alors, des conditions de travail, de la réfection des petites lignes et par exemple, du réseau du quotidien du Transilien, entre autres, et dans les régions. Il faut faire quelque chose. On était d'accord, mais là, c'est la manière que fait le gouvernement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en plus, vous avez vu ces annonces, on ne parle plus des petites lignes, on verra ça plus tard, on ne parle pas de la dette, on verra ça à la fin du quinquennat, on ne parle pas des vrais dossiers qui fâchent, le seul truc qui sait, c'est le statut des cheminots. Or, aujourd'hui, et je peux vous le dire, moi, j'ai mes collègues qui n'arrêtent pas de m'envoyer des messages en me disant, mes collègues, depuis 3 jours, se font insulter dans les gares, les clients se lâchent parce qu'à un moment donné, ils sentent que les vannes sont ouvertes et ça y est, on peut se lâcher, quoi. Parce qu'en fait, c'est vrai que la seule réforme un peu concrète, c'est le statut des cheminots. Oui, on nous dit, à une date qui sera négociée, les gens qui seront embauchés à la SNCF ne le seront plus sous le statut qui est le vôtre aujourd'hui. Alors, de quoi on parle déjà pour fixer les idées? C'est quoi le statut des cheminots? C'est un emploi à vie, un avancement de carrière automatique, des billets de train gratuits à vie, un régime spécial de retraite. On parle souvent beaucoup du régime spécial de retraite. Voilà, donc c'est tout cela qui forme un peu le statut. Une question précise, Bruno Poncet. Comment on peut justifier aujourd'hui, 2018, un emploi à vie? Comment est-ce qu'on le justifie, déjà, l'emploi à vie? Nous, on trouve, et c'était un peu là-dessus qu'on a voulu rebondir, c'est que l'emploi à vie se justifie quand en face de vous, vous parlez de sécurité ferroviaire, vous parlez aussi de qualité de service, et le service public, en fin de compte, génère tout ça. Et nous, on sait que ce statut qui a été un petit peu... Alors, c'est des fantasmes. Hein. Moi, j'ai vu des choses. Là, vous venez de mettre un petit peu les âges de départ à la retraite. En fin de compte, le départ à la retraite en ce moment SNCF en moyenne, c'est 58 ans. Dans le privé, c'est 57. Parce qu'aujourd'hui, les gens... Alors, je voudrais pas faire moyen de départ à la retraite. Voilà, c'est 58 ans SNCF. Et mais ça, c'est des chiffres qui ont été sortis par l'entreprise. Mais c'est pas 57 dans le privé, pardonnez-moi. Ben, c'est 62 aujourd'hui. Hein. Oui, alors, c'est l'âge... Enfin, je trouve qu'il faut faire attention, parce que moi, je connais beaucoup de personnes à qui on a eu des discussions, qui m'ont dit, mais moi, 57 ans, on m'a demandé de partir. Dans le public, pour les fonctionnaires. Les fonctionnaires partent à plus de 60 ans maintenant. Oui, et nous aussi, moi, j'ai de plus en plus... Si aujourd'hui, par exemple, nous, c'est 58 ans, c'est-à-dire que j'ai beaucoup de collègues qui partent à plus de 60 ans, et des collègues conducteurs qui ont cette possibilité de partir avant 55, qui le font. Mais aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de fantasmes. Le statut se justifie aussi pour la sécurité ferroviaire, se justifie aussi pour un moment donné... Enfin, je vous juste un exemple. L'emploi à vie, il n'y a que vous qui l'avez. On ne sait pas pourquoi, en fait, aujourd'hui. Parce que, je ne sais pas si avant, ça a une justification, mais aujourd'hui, on ne sait pas pourquoi. Après, emploi à vie, pourquoi est-ce que ce n'est pas à EDF aussi? Pourquoi pas à La Poste? Pourquoi pas... Non, et puis emploi à vie, je pense qu'aujourd'hui, c'est pareil, ça a beaucoup changé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui...
Il n'y a pas de plan de licenciement économique à SNCF, mais vous avez beaucoup de plans de départ volontaire. Moi, je travaille au fret. En 2006-2007, ils ont fait un plan de départ volontaire au fret. Ça a éclusé mais énormément de collègues à moi. Donc, en fin de compte, aujourd'hui, vous avez quand même beaucoup de choses qui se rapprochent réellement de tout ce qui se passe ailleurs. Il ne faut pas croire qu'on est vraiment sur une île déserte et qu'il n'y a que nous. Hein. Alors, on est en 2018, mais en fait, ce qu'on a vécu nous a rappelé des souvenirs. Parce qu'en 1995... Alain Juppé, dont d'ailleurs Édouard Philippe est un peu le fils spirituel, avait tenté le coup, et tous les deux, 1995-2018, emploient les mêmes mots pour tenter de réformer la SNCF. On regarde ce comparatif. Ce n'est pas une réforme qui préparait la privatisation de la SNCF. Il ne consiste en aucune manière à remettre en cause le caractère d'entreprise publique de la SNCF. Ce n'est pas une réforme des petites lignes. Il n'y a pas non plus de liste de suppression de lignes, ceci n'est pas vrai. 14 milliards d'euros de soutien public par an. 37 milliards d'aides financières à la SNCF pour lui permettre de payer ses dettes, et ça continuera ensuite. Nous voulons aller vite. Pour aller vite. Le recours aux ordonnances. Prenons l'exemple des ordonnances. Permettra de mener une large concertation. Nous allons aussi les faire dans la concertation, ces réformes. Je pense qu'aujourd'hui les esprits sont mûrs. La situation est mûre. Alors, c'est un montage assez habile et amusant de Tristan Carlier. Les ordonnances, ça vous choque ou pas? Ouais. Vous moquez un peu? Non, pas du tout. Alors après, nous, ordonnances ou loi, on est contre cette réforme de la façon dont elle est menée, c'est clair et net. Le seul truc, c'est que les ordonnances, en fin de compte, nous, demain matin, par exemple, moi, je suis reçu avec mes collègues au ministère à 11h30. Ouais. Comment voulez-vous négocier quand aujourd'hui, on vous met un couteau sous la gorge en vous disant, voilà, c'est comme ça, ce sera pas ordonnance. La vraie négociation aurait été de dire, voilà, on va discuter entre nous, on va essayer d'avoir une position commune. Si on s'entend pas avec le ministre et le gouvernement, eh ben, dans ce cas-là, après, eux, ils prendront leurs responsabilités, nous, on prendra les nôtres. Mais la discussion ne peut pas se faire si d'entrée de jeu on fait une espèce de chantage aux ordonnances. Vous avez l'impression qu'il y a une petite violence dans le processus. Alors, en 95, une grève de 3 semaines à peu près avait fait reculer Alain Juppé. Vous aviez obtenu d'une manière ou d'une autre, c'est toujours difficile à mesurer, le soutien de l'opinion publique. Ce coup-ci, vous pensez que vous l'aurez? C'est peut-être pas tout à fait comparable. Moi, quand je vois ce qui se passe en ce moment dans les médias, des sondages à 70% contre notre statut, pour nous taper dessus. Et puis, je vous dis, avec l'année qu'on vient de passer... Effectivement, c'est compliqué. En plus, la façon dont c'est mené, si vous regardez bien, on nous met en exergue le statut des cheminots en premier. On ne parle pas, par exemple, de cette absence de réflexion, du réseau. On ne parle pas de cette politique du tout TGV qui est menée depuis 40 ans et qui fait qu'aujourd'hui, on a abandonné le réseau du quotidien qui a rendu aujourd'hui beaucoup de réseaux obsolètes. Et ça, c'est un vrai souci. C'est tout à fait juste ce que vous dites. Moi, ça me frappe aussi. Je ne serais pas défenseur comme vous du statut, autant ça m'étonne qu'on pointe cette affaire-là comme étant la responsabilité, enfin, ou la cause principale des problèmes. C'est la seule réforme concrète dans cette annonce-là. Oui. Alors qu'évidemment, les choix stratégiques que vous évoquez, c'est-à-dire le fait qu'on délaisse les trains de banlieue et les petites lignes, ça fait des décennies. Et le tout TGV, c'est le produit du lobby des grands élus, des grandes villes qui ont... En fait, on a soigné le train des riches, mais le train des pauvres... Non, bah, en gros, hein, c'est-à-dire pour aller dans sa maison de vacances à Aix-en-Provence, quand on part du 6e arrondissement, tout marche très bien. Sinon... s'agit de ça. Bah, un petit peu quand même. Hein. En tout cas, les maires des grandes villes ont fait... La ligne D ou la ligne B du RER... Ils sont totalement les seuls à... Mais c'est un désastre. C'est un désastre. Mais bon, du coup, vous aurez un combat difficile devant vous. Hein. Ouais, on le sait. Et après, moi, je suis pas dans l'incantatoire. Je vais pas vous dire aujourd'hui. Tard, j'ai entendu qu'on partait en grève pour un mois à partir du 22 mars. C'est la CGT qui a dit ça. Ouais, c'est pas réellement ce qui se passe. Hier, on s'est revus entre nous, on a discuté... On se revoit le 15 mars, une fois que le projet gouvernemental sera bouclé et qu'il y aura eu des vraies annonces. Et à ce moment-là, on verra. Mais une grève, vous l'avez vu en 95, ça ne se décrète pas par des organisations syndicales. C'est les gens qui travaillent, qui disent « Attention, nous, on n'en peut plus et on arrête de travailler. » C'est dans les assemblées générales et tout ça. Je pense qu'aujourd'hui, il faut arrêter de croire que d'un seul coup, d'un claquement de doigts, ça va partir. Hein. Bon, décision le 15 mars. Voilà. Voilà, pour savoir quel genre de mobilisation on aura à faire. Merci beaucoup, Bruno Poncet. Vous restez avec nous.